C'est le vieux rêve des historiens de pouvoir revenir dans le temps et observer comment vivaient nos ancêtres. Eh bien, c'est un peu ce que les élèves de l'école André Laurendeau de la commission scolaire Marie-Victorin ont fait grâce à la version éducative sans violence du jeu Discovery Tour de la série Assassin's Creed. Nous avons travaillé avec Véronique et Sébastien sur une démarche d'utilisation du jeu où les élèves peuvent mettre en pratique la démarche historique en visitant l'Égypte, en marchant dans une cité-État grec ou en relevant les traces de la romanisation. Le Nil, qui s'écoule du sud vers le nord, baignait de ses eaux limoneuses la Haute et la Basse-Égypte. Le tour de couverture d'Assassin's Creed nous permet vraiment d'impliquer l'élève dans son apprentissage. Lui-même va observer des choses qu'on ne peut pas voir à l'aide d'un livre ou à l'aide d'images ou de vidéos qu'on projette sur le tableau. Dès la première dynastie, les animaux domestiques et des bêtes sauvages figuraient sur les bas-reliefs. Dans le fond, le projet, l'activité qu'on a fait aujourd'hui, ça consiste à utiliser le jeu Assassin's Creed pour que les élèves travaillent la méthode historique, la méthode de recherche historique. Ils devaient se poser une question en lien avec la Grèce antique ou l'Égypte antique et trouver par eux-mêmes la réponse à leur question à l'aide du jeu en visitant divers tableaux. C'est quoi votre question de recherche? Bien, on se demande à quoi servaient les pyramides de Khéops, de Gizeh, puis... on est en train de chercher sur une visite des tombeaux des pharaons, parce qu'on sait un peu que c'est quoi, mais on veut en savoir plus, fait que c'est pour ça qu'on cherche là-dessus. Là. Notre question, c'est dans le fond, comment le Nil a-t-il eu un impact sur la vie des Égyptiens? Bien, on a décidé de choisir comment pratiquait-on la médecine dans l'ancienne Égypte. Pourquoi les Romains... ont des croyances envers les dieux. Alors, l'important, c'est que tu répondes à ta question de départ. Je veux savoir pourquoi on construisait des pyramides. Tu peux me parler comment on les construisait, ça servait à quoi, qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Tiens, est-ce que je peux poser une question, avec quoi les forts sont bâtis? Oui. Que je vais regarder, c'est est-ce que vos diapos répondent bien à votre question de départ. Quand tu as la tâche, il y a une personne qui va contrôler le jeu et l'autre personne doit prendre des notes. Antoine, tu n'oublies pas de prendre des notes, hein? Ouais. Ouais. Je vois que tu viens de prendre une photo. Oui, c'est pour faire un PowerPoint pour notre travail en classe. On prend une photo même? Oui. Prends une photo. Oh, c'est tellement cool. Donc, il y a plus de 8 écoles secondaires qui participent à cette expérimentation-là. Près de 15 enseignants. Donc, on a tout simplement acheté une flotte de 15 portables qui sont performants pour jouer au jeu. Et puis, la flotte de portables circule à travers la commission scolaire pour que les enseignants qui désiraient expérimenter avec leurs élèves puissent avoir une plage horaire, une semaine, deux semaines pour jouer au jeu avec les élèves. Là, ils viennent d'expliquer, avec les produits qu'ils utilisent pour, nettoyer le corps. Fait que là, ça, c'est cool. Check. De libération. C'est quoi ça? Je crois que c'était pour mettre les liquides, là, tu sais. Le vin de terre, là. Check ça, ils mettent dans les bols, là. Là, on a appris qu'ils enlevaient les organes, puis là, ils sont en train d'enlever le cerveau. Ils mettent quelque chose dans les narines. Ouais, dans les narines. Puis là, avec la petite spatule, ils brisent l'os, puis là, ils prennent le cerveau petit à petit. Mais je pense que si on regarde le programme d'histoire, clairement, la compétence 1 et la compétence 2 sont mises à profit. Située en bordure ouest de la ville, l'acropole de Cyrène était moins grande que celle d'Athènes, mais sa position en hauteur lui permettait de protéger la ville. Il peut s'enquérir des aspects de société en compétence 1 pour comprendre le contexte historique d'un sujet en particulier. Puis en compétence 2, bien clairement, on a introduit la démarche historique dans la réflexion, les créateurs des tâches dont le récit est moi-même. Hypothèse, recherche documentaire, corroboration des informations aussi. Puis la présence du document historique, donc de la source de seconde main, qu'est le jeu. Sous l'influence romaine,
la ville devint une importante place économique et son influence grandit en Méditerranée. Pour mes équipes, j'ai décidé de faire, puisque j'ai seulement 15 portables, j'ai constitué des duos. J'ai demandé à mes élèves de me dire à quel point ils étaient habitués de jouer à des jeux ou à quel point ils étaient habiles avec des portables. Comme ça, j'avais un expert et un débutant qui s'entraidaient ensemble. Ça allégeait un petit peu ma gestion de classe au niveau des techniques et de l'utilisation du jeu. Quand vous faites un projet comme celui-là, est-ce que vous avez l'impression plus de jouer ou de travailler? Je dirais un peu plus, dans ce cas-ci, ça va être travailler, mais je dirais aussi jouer. Parce que en fait, on vit l'action, puis ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses, mais ça nous permet un peu plus de s'amuser, puis de, un peu, si on veut, avoir une liberté dans notre travail. Pour faciliter la gestion de classe, quand j'ai des consignes à donner à l'ensemble du groupe en cours de période, je leur demandais d'incliner l'écran à 45 degrés et de lâcher le clavier. Comme ça, je m'assure que j'ai personne qui regarde son écran ou qui veut continuer à se promener à cheval. Ça permet au regard de se centrer sur moi. Puis la consigne, OK, on met les écrans à 45, c'est le signal. Les élèves savent que, OK, on arrête, on prend une pause, on regarde Mme Véronique. Tantôt, j'ai vu qu'il y avait des Égyptiens qui travaillaient, puis qu'il y avait des Romains, genre, qui étaient dirigeants. Ben ouais, genre, quand on faisait la visite, il y avait comme un coin là où, genre, il y avait des patients qui étaient en train de se faire, genre, soigner par des personnes. Pour les premières périodes, je conseillerais à un enseignant qui se lance dans le projet d'avoir du soutien, peut-être un autre enseignant qui est intéressé, qui vienne en classe l'aider, parce que mettre en place les 15 ordis, montrer aux élèves comment se connecter, c'est quand même lourd comme charge. Bien, en fait, le coup d'envoi du projet, c'était la formation, une formation d'une durée d'une journée, où les enseignants ont vraiment expérimenté le jeu. Donc, et aussi découvert les différentes tâches qu'on offrait pour le projet. Par la suite, un accompagnement s'est mis en place. Donc, un accompagnement individuel ou école. J'accompagne l'enseignante ou l'enseignant pour les soutiens techniques, aussi soutien pédagogique en lien avec les tâches que les élèves réalisent. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on a plus l'impression d'apprendre vu qu'on est dedans, on le vit, genre on peut se mettre dans la peau du personnage qu'on interprète. Et je paye là la charrette. Oui, je sais. Oh, elle était là, la charrette! Il s'en vient. Oh, mon Dieu! Ah, il est beau en plus. Oh, mon Dieu! Ah, regarde ça, ça va tellement plus vite. Mais il y avait un enthousiasme, il y avait une énorme curiosité. Et ça, ben, c'est des qualités d'un historien. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.